Que Dieu soit loué, que le Seigneur soit glorifié. On s'excuse parce qu'on a eu un sérieux problème ici au niveau de l'église avec un problème technique. Que le Seigneur vraiment console nos cœurs, s'il vous plaît. Toi qui es au courant que la connexion est revenue, tu peux signaler à la première personne, à la deuxième personne, à la troisième personne. Merci pour votre patience. Est-ce que tu peux dire Alléluia là où tu es? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Je sens que vous êtes là. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous allons répondre. Nous allons. Béni soit Dieu. Merci Père. Merci pour ces moments bénissants. Merci pour ta grande présence. Merci pour ton onction, Seigneur, qui nous conduit. Béni soit ton nom, Prince de la paix. Louange à toi, Créateur du ciel et de la terre. Merci parce que le Saint-Esprit est au contrôle. Merci parce que le Saint-Esprit bénit, guérit, sauve. Alléluia, nous éloigne du danger, du malheur. Merci, nous t'acclamons, Seigneur. Merci, nous t'élevons, Jésus. Alléluia, que les vivants disent Amen, 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 Amen. Yes. Que les vivants disent gloire à Jésus. Que les disants, les vivants acclament le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire. Béni soit ton nom, Prince de la paix, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Dis un Amen. Alléluia. Écris un Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Le diable a échoué. Son complot est anéanti. Le Seigneur de gloire nous conduit dans la victoire, dans la paix, dans la joie. Il nous a gardés depuis le 1er avril. Yes. Aujourd'hui, nous sommes le 26 avril. Acclamez-le chez toi à la maison. Écris un Alléluia à la gloire de Dieu. Invitez beaucoup de personnes pour qu'ils entrent. Et nous montons dans la prière, dans la grande présence du grand roi. Alléluia. Glory. Seigneur, yes. Amen. Alléluia. Adonai. Adonai. Créateur, Alléluia, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Oh oui, Adonai. Oh, gloire à Dieu. Créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Alléluia. Et ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, Seigneur, et te célébrer, Adonai. Oh oui, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Yahweh. Les cieux, Adonai. Louez-le, il est bon. Alléluia. Nous voulons t'élever, t'adorer, Jéhovah, et te célébrer, Adonai. Oh oui, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, Seigneur, et te célébrer, Adonai. Oui, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Les cieux, Adonai. Sois le roi de
Béni soit Dieu, alléluia. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, oui, Emmanuel. Oui. Oui, nous avons reçu votre doléance, qu'il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. Que Dieu soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Nous t'adorons, notre Père et notre Dieu. Nous t'exaltons, toi le Dieu vivant et tout-puissant. Tout pour la gloire de ton nom Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Nous continuons à arranger le son, s'il vous plaît, prenez patience. Nous arrangeons le son, s'il vous plaît, prenez patience. Que le Seigneur soit loué, que Dieu vous bénisse. Prenez patience, s'il vous plaît. Notre Dieu est bon. Notre Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant, le véritable. Celui qui était, qui est et qui vient. Que son nom soit magnifié. Si vous entendez quelque chose, s'il vous plaît, faites-nous signe. Est-ce que vous entendez quelque chose? Oui, vous qui êtes au niveau de la conférence, il n'y a pas de problème. Nous demandons à ceux qui sont sur Facebook parce qu'ils n'entendent rien. Voilà pourquoi, si vous entendez quelque chose, s'il vous plaît, faites-nous signe. Faites-nous signe, s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié, que son nom est grand, que son nom est tout puissant, sa bonté durera toujours. Il est le roi des rois des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout puissant. Alléluia. Faites-nous signe, s'il vous plaît. Faites-nous signe, est-ce que vous nous entendez? Faites-nous signe, s'il vous plaît, écrivez quelque chose, je saurai si vous êtes connecté. Vous entendez le son? Faites-nous signe, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Tu es le roi de gloire, le Seigneur de seigneurs, le prince de la paix, le Dieu vivant. Nul n'est semblable à toi, notre Père. Nul n'est comparable à toi, notre Dieu. Merci Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu donnes est merveilleux. À toi la gloire, à toi l'honneur. Pour les siècles des siècles, que le Seigneur soit loué, que le Dieu vivant vous bénisse, au nom puissant de Jésus-Christ. Louange à l'agneau, louange à Jésus-Christ, louange à celui qui nous sauve, louange à celui qui nous pardonne, que ces moments soient bénis, que la gloire de l'Éternel Dieu soit manifeste dans vos maisons, dans vos vies, dans vos santé,
Que la gloire de Jésus-Christ se manifeste dans, vos, dans tout ce que vous entreprenez. Que tout soit pour la gloire de notre Dieu. Que tout soit pour la gloire de notre roi. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le lion de la tribu de Juda. Merci pour ce temps, Seigneur, où nous voulons chanter à la gloire de ton nom. Merci pour ce temps, Seigneur, où nous voulons adorer à la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons nous lever chez nous à la maison. Nous allons chanter et acclamer le Seigneur. Nous allons louer l'Éternel. Nous allons danser pour la gloire de son nom. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. En tout cas, on s'en excuse encore pour ces désagréments. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit élevé. Alléluia. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Nous allons chanter, louer le Seigneur, adorer le roi de gloire. Merci Seigneur. Il est le roi de rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible. Nous allons écouter un court message. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles aujourd'hui dans le livre de Genèse au chapitre 24. Nous commençons à partir du verset 60. Genèse chapitre 24, nous lisons à partir du verset 60, je crois que chacun de vous a ouvert sa Bible pour lire ensemble avec nous cette courte exhortation, cette courte prédication. J'aime beaucoup plus prêcher sur la vigilance du croyant. Le temps que nous traversons, c'est le temps que l'Église doit être avertie. Le temps que l'Église doit comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Est-ce que tu as trouvé? Yes. Nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 24. Le verset, nous commençons à partir du verset 60. La Bible dit, « Oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. » Rebecca s'éleva avec ses servantes. Elles montèrent sur le chameau et suivirent l'homme. Soulignez bien des éléments qui sont très importants. Ils suivirent l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Chaïroï. Et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, donc Isaac n'était plus dans la maison, il est sorti de la maison, il est parti dans le champ
Et il leva les yeux et regarda, et voici deux chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux. Donc il y a vraiment, je sais que le Seigneur va parler à quelqu'un, je sais que le Seigneur va toucher quelqu'un, je sais que le Seigneur va nous enseigner des grandes choses au travers de ces récits de Rebecca et d'Isaac, ainsi que de l'homme, parce qu'ici on ne parle même pas que c'est, on n'identifie pas l'homme, hein? On ne dit même pas son nom. Souvent nous disons que c'est Eliezer, parce que Eliezer était le serviteur qu'Abraham aimait beaucoup, qu'il faisait beaucoup confiance. Mais la Bible ne cite pas vraiment le nom d'Eliezer, on l'appelle seulement homme ici. Et la Bible continue en disant regarde maintenant, Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Mais qui lui a parlé d'Isaac? Il l'a vu seulement de loin, mais qui lui a parlé? Comment est-ce qu'il a su que c'est lui? La Bible déclare, Rebecca, qui était bien informée, qui avait tout sur la vie d'Isaac, il y connaissait tout, avec l'homme, hein, que nous appelons de temps en temps, ou en tout cas sûrement, Eliezer, la Bible déclare, elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Bon, il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Mes bien-aimés frères et sœurs, en ces temps de la fin, en ces temps où nous voyons des choses bouger de part et d'autre, l'Église doit être capable d'informer. L'Église doit être capable d'informer les fidèles pour que nous soyons prêtes. Alors prêtes. Ici, la Bible nous parle d'un mariage. Ce mariage n'a pas été fait d'une manière directe, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui doit être le serviteur de la personne qui voulait marier son fils. Et ces messieurs-là que nous avons l'habitude d'appeler Eliezer, qui était parti pour faire tout ce travail-là. Et si vous remarquez bien, Eliezer n'était pas parti seul. Hein? Eliezer était parti avec, il était envoyé avec toutes les possibilités, avec tous les cadeaux qui pouvaient convaincre la fiancée d'accepter le mariage, et en fin de compte, qu'on puisse prendre la fiancée et l'amener auprès de son fiancé, qui deviendra après son époux. Je sais que le langage biblique, c'est des fois difficile, c'est des fois compliqué. Voilà pourquoi souffrez, moi j'ai l'habitude de dire quelques mots en lingala, pour que je ne sois pas comme quelqu'un qui a prêché dans le désert, mais qui a laissé une semence dans une bonne terre, et cette semence peut porter des fruits, et de fruits pour la vie éternelle. Mes bien-aimés frères et sœurs, quand nous lisons dans les livres de Daniel, Daniel prie au chapitre 9, Daniel à Sambéline au chapitre 9 à l'obi, ô éternel, tu nous as envoyé tes serviteurs le matin, tu nous as envoyé tes serviteurs le soir, tu as envoyé tes serviteurs très tard la nuit, mais malheureusement, nous n'avons pas écouté. Pardonne-nous, ô Éternel. Au tin de la kibiso basalina yo na tongo na butuna moy kasito yoki bangote. Mes bien-aimés frères et sœurs, avant que nous puissions écouter des grandes prédications, écoutons et saisissons d'abord des choses qui sont simples, qui peuvent te préparer pour la rencontre du grand roi. Oui, c'est vrai.
Je peux te prêcher sur les sept sceaux. Je peux te prêcher sur les sept tonnerres. Je peux te prêcher sur les anges qui montent de la terre. Disons sur la bête qui monte de la terre. Sur la bête qui monte de la mer. Mais si tu ne comprends pas des éléments fondamentaux, mais bien aimé, tu ne seras pas préparé. Voilà pourquoi j'aime rentrer dans des enseignements rudimentaires de la foi, pour que tu sois préparé à la rencontre du roi de gloire, à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas à oublier, ce n'est pas à négliger. Peut-être tu te confies à la télévision pour écouter, ah non, maintenant on va déconfiner les gens. Mais le déconfinement ne suspend pas le retour de Jésus-Christ. Le déconfinement ne suspend pas les maladies qui tuent les gens. La contamination de corps, ça ne suspend pas. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne fais pas peur à quelqu'un. Mais il y a encore beaucoup de contaminés par rapport au mois de mars. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans des hôpitaux par rapport au début du mois d'avril. Il y a encore beaucoup de morts. Par rapport au mois de mars, mes frères et sœurs, que les diables ne te trompent pas. Je ne te fais pas peur, mais je veux tout simplement que pendant que tu m'écoutes, que tu te prépares nuit et jour. Si pas cette année, l'année prochaine, si pas l'année prochaine, dans 10 ans, dans 15 ans, que tu sois en communion, en alliance parfaite avec la parole de Dieu, parce que avoir peur de la mort avec Corona, ça dit rien. Ce qui est grave, c'est après la mort. Ozoki maliwa, mais koku va, mais tu peux même mourir à la maison. Tu peux mourir d'une autre maladie. Mais ce qui est grave, c'est après la mort, ta vie sera comment? C'est ça. Si manaliwa, bon moinayo ezanini, nde yangoli kamonali tomba. Et c'est la raison pour laquelle l'église doit être préparée. Je rentre directement dans mon texte. La Bible dit que Abraham, qui représente ici Dieu, qui va préparer son fils, qui va préparer son serviteur pour l'envoyer afin d'aller préparer une fiancée pour son fils. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous les pasteurs, Bissoba pasteur, les apôtres, tous les ministères que nous avons, les évangélistes, nous faisons le travail que Eliezer avait fait. Aller vers le monde, parler au monde, chercher au monde qui va accepter l'offre, la parole qui est annoncée pour qu'il soit fiancé à Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, cet homme que nous appelons de temps en temps Eliezer, il avait tout avec lui. On lui avait donné les chameaux, on lui avait donné les vivres, on lui avait donné tout ce qu'il fallait pour présenter à la fiancée. Voilà pourquoi Dieu le Père, il nous a donné son Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit, nous avons tout. Nous avons les dons spirituels, les dons des miracles, les dons des guérisons, les dons de foi, les dons de la parole de connaissance, les dons de... Il y a beaucoup de ministères. Peut-être dans une seule personne, il incarne plusieurs ministères avec lui. Et quand la parole de Dieu est annoncée sur la terre, cela signifie tout simplement le déplacement d'Eliezer qui ira rencontrer plusieurs femmes, plusieurs demoiselles. Et avant de pouvoir dire quoi que ce soit, il dira ceci: Ô éternel Dieu, la femme qui donnera à mes chameaux à boire et me donnera aussi à boire, c'est cette femme-là que j'amènerai auprès de mon maître. C'est cette femme-là que j'amènerai auprès de mon maître. Mes bien-aimés frères et sœurs, les hommes de Dieu aussi prient et préparent des prédications en disant: ô éternel, que ta parole puisse toucher ton peuple. Lilobanayo simba batunayo, lilobanayo mema batuna kondima, lilobanayo bongo la batumitema. C'est ce que nous faisons chaque fois. Et quand nous venons dans des moments pareils, nous larguons la parole, nous prêchons la parole, nous libérons la parole. Alors, cette parole doit trouver une Rebecca quelque part.
Cette parole doit trouver un Rebecca quelque part qui dira clairement, j'ouvre mon cœur, je donne toute ma vie à Jésus-Christ qui est le Seigneur et des Seigneurs, le Seigneur des Seigneurs. Et j'aimerais aller vers lui. Mes frères et sœurs, c'est alors que toi qui es encore dans le monde, toi qui n'as pas encore cru à Jésus, écoutez cette prédication. Moi, je représente Eliezer, l'homme que Abraham a envoyé. Il n'est qu'un symbole, il n'est qu'un sceau, hein, parce qu'il faut qu'on parle aussi un peu de choses importantes. Il n'est qu'un symbole. Moi, je ne suis qu'un symbole, un sceau. Hein. Lui, il n'était qu'un symbole. Mais le symbole n'est plus symbole dans la Bible. Parce que Eliezer, c'est un symbole dans la Bible. Et là, aujourd'hui, le symbole n'est plus parce qu'il y a une personne qui est devant toi. Cela veut dire que le sceau qui était voilé, maintenant pour toi, le sceau est dévoilé. Donc, personne sur la terre ne peut se dire que non, moi je n'ai pas prié parce qu'on ne m'a pas annoncé la bonne nouvelle, parce qu'il n'y a personne qui m'a parlé. Tes amis avec qui tu travailles prient. Tu as besoin de Jésus. Tu dois écouter Jésus. Il y a des CD, il y a des DVD partout qui parlent de Jésus. Donc tout le monde a écouté Jésus. Mes bien-aimés frères et sœurs, ce qui reste, c'est que tu dises comme Rebecca, que moi, en tout cas, j'ouvre mon cœur, je donnerai à boire. Je donnerai aussi, non seulement à boire à tous les dons que moi j'ai, que je vois autour de moi, je donnerai aussi à boire dans la personne qui m'enseigne la parole de Dieu. Mais bien aimé, hier j'avais dit quelque chose de très important en ce qui concerne le ministère des anges. Il y a deux sortes d'anges. Il y a les anges visibles, il y a aussi les anges invisibles. Mais bien aimés frères et sœurs, pour le salut de l'homme, Dieu n'envoie pas n'importe quel ange. Pour Nalobi Konamutu, Nzambatinda Kamwange Nyon Sauté. Et sachez-le bien que dans l'hiérarchie de Dieu, tous les anges ne jouent pas un même rôle. Il y a des anges que Dieu exclut catégoriquement en ce qui concerne l'œuvre de la rédemption de l'homme. Pour Nalisi Konamutu, Ezanaba Ange Nzambe Apesanzela Teba Kotali Kamwana. Et talaka kanzambe yemoko avec Gabriel qui font ce travail-là. Quant à Miché, Miché est appelé à aller défendre les gens au combat, comme il l'a fait avec, Josué. Mais bien-aimés frères et sœurs, les anges visibles, c'est nous, les serviteurs de Dieu, qui amènent la parole avec tous les dons que le Père nous a donnés, afin que l'épouse, afin que toi qui es l'enfant de Dieu, tu puisses recevoir cette parole. Et ça demande seulement ta foi. Si tu veux, je t'amènerai auprès du Maître. Soko lingi na komemayo epa yankolo oyo ko sala libala libela na libela elongo na ye. Regardez bien mes frères et sœurs. Quand Rebecca a accepté de recevoir le message apporté par Eliezer, parce que c'est ça le grand problème, recevoir le message apporté par Eliezer, le message de la fin du célibat. Je ne sais pas si nous comprenons ça. Le message de la fin du célibat de Rebecca. Rebecca était célibataire, habitant avec plusieurs sœurs dans la maison. Mais depuis tout le temps, elle était là sans mari. Elle était là sans fiancé. Mais pour que Rebecca puisse démarquer, pour que Rebecca puisse se différencier des autres, Rebecca devrait écouter un homme. Alléluia. Rebecca a fanda kananda konabango monzemba. Abalate. Mais poète bonzemba naye esila. Et sengela ki ayoka mongongo pembela ya Eliezer. Voilà la bonne nouvelle que j'ai à annoncer à toi, bien-aimés frères et sœurs. J'ai un message pour toi. Je me rappelle avant que je vienne à Christ, j'avais rêvé le retour de Jésus-Christ. Et je sais que si j'ai une mission pour toi, si j'ai une mission pour le monde, c'est d'annoncer au monde le retour imminent de notre Dieu, de notre roi, de Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, partout où vous êtes, partagez ces vidéos, partagez ces moments pour écouter ces messages de la libération. Mes frères et sœurs, il y avait un messager qui a été envoyé dans la famille de Laban pour parler à Rebecca,
pour dire à Rebecca, maintenant c'est la fin. C'est la fin du cycle. C'est la fin du temps de tes parents. C'est la fin du temps de toi avec tes amis, avec tes camarades. Maintenant, je t'annonce que j'ai quelqu'un que tu n'as pas encore vu. Alléluia. Cette personne-là, tu ne l'as pas encore vue. Mais avant que tu ne le voies, je dois te préparer. Alléluia. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, Jésus-Christ tarde encore. Yesu azonga na nute poete sengeli Rebecca a lakisama et sengeli Rebecca a teyama. La Bible déclare, on donnera à Eliezer une chambre, une place. Et la maison de Laban, pendant tout cela, était transformée en une cellule de prière où la parole est annoncée à Rebecca pour préparer Rebecca à la rencontre d'Isaac. Alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs, quel message que nous avons besoin en ces fins du temps. Quel message que nous avons à annoncer au peuple de Dieu en ces temps où les choses bougent de partout. J'ai entendu les vidéos. Hein, tout à l'heure, là, j'ai partagé avec l'évêque Marco le vidéo de cet homme païen. Il a dit, mes bien-aimés, mes messieurs dans, sur la terre, nous avons combattu cette situation plus de 30 ans passés. Il y a 30 ans passés que nous, on connaissait cette situation. Nous avons combattu ça. Nous avons combattu ça. Il y a même nos amis qui sont morts pour intercaler cette situation que nous vivons maintenant. Il est resté presque seul. Il a dit une chose qui m'a touché. Il a dit, le monde doit le savoir. C'est une machine qui est lancée. Ezali kambo yobasi bafungoli nzela. Et qu'aussi la kate jusqu'à ce que la fin puisse venir. Ce monsieur, c'est un païen. Il ne lit même pas la Bible. Mais il parle de 666. Il parle de marque de la bête. Il parle de beaucoup de choses. Mais étant ignorant de toutes ces choses-là, mes frères et sœurs, nous l'Église, nous devons nous réveiller. Nous l'Église, nous sommes trop dans la distraction. Surtout nous qui sommes en Europe, nous sommes trop dans la distraction. Nous avons toutes les nouvelles, nous avons tous les avertissements, mais nous ne prenons pas garde à nous préparer à la rencontre du grand roi, à la rencontre du Seigneur des Seigneurs. Toi qui me suis en France, toi qui me suis en Hollande, toi qui me suis en Amérique, toi qui me suis en Afrique, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais dire une chose. Là où tu es à la maison, quand tu viens ici dans la maison de Dieu, dans l'église, c'est pour ta préparation. Alors, qu'est-ce que Eliezer avait fait avec Rebecca pendant tout ce temps-là? Il parlait à Rebecca tout ce qui concerne Isaac. Abandaki koyebi sa Rebecca, ma kamounion sur l'étali Isaac. Ah, le jour où tu verras Isaac, hein, Rebecca. Isaac est comme ça. Isaac est comme ça. Isaac a telle forme. Isaac a telle gloire. Isaac marche comme ça. Quand Isaac parle, voilà, sa voix est un peu comme ça. Rebecca connaissait très très bien Isaac avant de le voir. Qui lui a donné des informations? Mais c'est son pasteur Eliezer. C'est Eliezer qui lui a donné toutes les informations. Il a dit, mais le jour là tu les reconnaîtras. Mais bien aimés frères et sœurs, l'Église, en réalité, dans des temps pareils, ne doit pas paniquer. Parce que nous savons que quand nous voyons des choses bouger, nous savons qu'il est à la porte. Parce que nous sommes informés de notre fiancé. Nous savons comment il est. Nous savons des signes, hein, qui feront que nous puissions reconnaître que c'est lui. Mais bien-aimés frères et sœurs, malheur à beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais la Bible reste encore un livre fermé pour eux. La Bible n'est pas encore un livre détaillé, un livre délivré, un livre ouvert, un livre révélé pour eux. La Bible doit devenir pour toi un livre révélé. Mais bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare, n'est-ce pas Jean a pleuré parce qu'il a vu personne qui était digne de prendre les livres et d'ouvrir le sceau. Mes bien-aimés frères et sœurs, les sceaux, c'est compliqué.
Je vais donner peut-être un exemple. Je prends quelques papiers ici. Je vais démontrer qu'est-ce qu'un seau. Hein? La Bible dit, qui est capable de prendre le rouleau? Premier rouleau, on a fait comme ça, non? Deuxième rouleau, on va prendre encore, non? Tu vois, le premier rouleau n'est plus le premier. Hein? Le deuxième devient le premier. Hein? Quand on prend encore le troisième seau, quand on met encore dessus, vous voyez, hein? Le deuxième n'est plus deuxième. Hein? Le premier n'est plus premier, c'est le troisième qui devient premier. Et le deuxième devient reste deuxième, mais le premier est maintenant le dernier. Alors, quand les choses ont comme ça et qu'on l'a scellé maintenant, la Bible déclare qui est digne de prendre le sceau, parce que les sceaux ce sont des symboles, d'ouvrir ça et de donner son explication. Vous vous rappelez même de Daniel, non? Daniel a... Nabuchodonosor reçoit une révélation. Nous allons rentrer là, mes frères. Nous allons rentrer là, bien-aimés. L'Église, soyons prêts à aimer la parole de Dieu, à comprendre que quand nous sommes devant la parole de Dieu, c'est pour notre formation, c'est pour avoir des informations sur notre fiancé, c'est pour voir des informations sur notre époux, celui qui va nous marier pour d'éternité en éternité, Jésus-Christ de Nazareth. C'est les temps, mes frères et sœurs, ce n'est plus le temps de vaquer dans la distraction, ce n'est plus le temps de vaquer dans le péché. Oh bien-aimé, si tu as volé quelque chose qui ne t'appartient pas, retourne ça. Jésus revient bientôt et tu n'as même pas le temps d'utiliser ça. Regardez la chose que tu as volée. Mikolo Rosale Lamoni. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce que tu avais volé? Tu ne sais plus rien faire avec ça. Renvoie ça, mes bien-aimés. Renvoie ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'homme d'autrui? Okosala nini na mubali abatu. Qu'est-ce que tu vas faire? Renonce au péché. Reviens à Jésus. Donne toute ta vie. Quittez mes bien-aimés. La Bible déclare, c'est lui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui la perdra à cause de moi, la récupérera. Oyoko bungisa bomo inaye ponanga. A cause wango lisusu. Perds ce que tu as, mais avec Jésus-Christ, tu récupéreras ce que tu as perdu. C'est ça l'enseignement pour te préparer à la rencontre de Jésus-Christ. La Bible déclare, auprès de lui, rien d'impur n'arrivera. Vous voyez, Rebecca, ce que tu dois faire, sanctifie-toi, purifie-toi. Si tu avais des dettes, paye maintenant. Parce qu'il faut aller à la rencontre. Rebecca, tu vois, il faut que ton cœur, les rancunes tombent. Parce qu'avec lui, les rancunes ne marchent pas. Hein? Rebecca, tu vois ce que tu dois faire. En tout cas, Rebecca, il faut être en paix, en bon terme avec tout le monde. Parce que là, tu auras beaucoup de servantes, tu auras beaucoup de personnes avec toi. Donc, Rebecca était préparée. Il connaissait Isaac. Il connaissait la figure de Jésus-Christ. Il connaissait la gloire de Jésus-Christ. Vous voyez, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, alléluia, il connaissait toutes ces choses-là. Pour lui, les choses qui étaient cachées n'étaient plus cachées. C'est le temps que tu dois chercher la révélation de qui est Jésus-Christ. Connaître Christ dans la profondeur, dans la largeur, dans la hauteur, alléluia, dans toutes les dimensions. Mes bien-aimés frères et sœurs, une fois que Rebecca a été préparée, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, le frère de Rebecca bénira Rebecca. Rebecca partira, il quittera sa famille, il quittera ses anciens camarades, il quittera tout ce qu'il avait, il quittera le lit de son père, il quittera la malédiction de sa famille, il sort. Il va maintenant à la rencontre du grand roi. Mais ce que j'aime, pour que Rebecca puisse faire des pas vers Eliezer, il y avait quelqu'un qui le prenait en main. Non, vers Isaac. Hein? Pour que Rebecca arrive chez Isaac, il y avait Eliezer qui avait Rebecca entre ses mains. Lui amenant petit à petit. Mais mes frères et sœurs, à un certain moment, lisez bien la Bible, Rebecca elle-même, Rebecca elle-même, elle verra quelqu'un de loin.
par rapport à toutes les informations qu'on lui a données pendant tout le temps que Eliezer était à la maison, que ton mari a telle taille, ton mari il marche comme ça, ton mari il vit comme ça, ton mari aime des milieux comme ça. Rien que ces informations là, quand Rebecca a vu de loin, ne l'ayant pas connu, avant nous n'y était. À Simbana nous y était. Mais quand il a vu de loin, il a reconnu directement que c'est lui, ce fiancé-là. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que toi, tu reconnaîtras que c'est Jésus-Christ? Est-ce que toi, tu reconnaîtras que c'est réellement ton mari? Quelle information que tu as de Jésus-Christ? Tu n'as aucune information. Tu ne connais rien du royaume des cieux. Tu connais seulement les bénédictions des mariages, tu connais seulement les bénédictions des chaussures, les bénédictions des voitures, les bénédictions des voyages, mais ça ce n'est pas la bénédiction, la grande bénédiction. Les païens aussi en ont, et la Bible déclare que toutes ces choses-là resteront sur la terre. C'est le temps de se réveiller, bien-aimés. C'est le temps de se réveiller. Et regardez ce qui est extraordinaire. Il y a un endroit où tu ne verras plus le pasteur. Celui qui t'a montré le fiancé. Celui qui t'a montré le Christ. Tu ne me verras plus parce que le salut est individuel. Chacun de nous montera pour aller vers le roi de gloire, Jésus-Christ, seul. Ni avec ton mari, ni avec ta femme. Même pas avec ton pasteur. Voilà pourquoi... Prends la décision de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Pas le pasteur, pas le diacre, pas l'apôtre, pas le prophète. D'ailleurs, nous vivons un temps où on ne reconnaît plus le bon et le faux prophète. Alors, lève tes yeux, vois ton mari de loin, descends de ton chameau, descends de ton chameau, va maintenant toi-même à la rencontre de ton fiancé. Il posera la question. Mais ce que j'aime, c'est que lui n'était plus dans la maison. Il n'était plus dans la gloire. Il était où? Dans les champs, dans les nuées. C'est ce que la Bible déclare, que nous le rencontrerons dans les nuées. Il ne sera plus dans la gloire, il descendra. Comme Isaac n'était plus dans la maison, dans sa gloire, là où il vit, Jésus-Christ ne sera pas là. Il viendra prendre sa fiancée. Il viendra prendre sa fiancée. La Bible déclare, quand il a vu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la voile. Elle a pris la voile, elle et Rebecca. Elle couvra sur sa tête pour aller à la rencontre d'Isaac. Mes frères et sœurs, il revient dans le nuée. Il quittera encore sa gloire. Il viendra vers nous. Je sais que beaucoup de choses sont encore secrètes pour toi. Mais je te dis que le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Rappelez-vous quand Nabuchodonosor a fait le rêve. Nabuchodonosor, le rêve lui a échappé. Il appellera tous les magiciens autour de lui pour leur dire, dites-moi le songe et son explication. Les magiciens ont dit, mais ça, pareille chose, ça ne se dit jamais. Il dit, dites-moi le songe et sa signification. Nabuchodonosor leur dit, si vous ne me le dites pas, d'ailleurs, vous voulez prendre du temps. Si vous ne me le dites pas, vous mourrez tous. La Bible déclare, cette nouvelle est allée jusqu'aux oreilles de Daniel. Mes frères et sœurs, l'Éternel Dieu prépare son peuple par des signes. Tu dis que Corona est mauvais, mais quelque part, sachez-le bien que Dieu éduque son peuple, Dieu récupère son peuple par des signes et par des difficultés. Oui, Dieu peut t'apprendre au travers d'une difficulté quelconque. Dieu peut t'orienter au travers d'une difficulté quelconque. Daniel est venu auprès du roi, il dit au roi, donne-moi quelques jours que j'aille prier le Dieu du ciel et de la terre pour que je puisse revenir et te donner les songes. Mais les magiciens, ils ont dit, pareille chose, il n'y a que des personnes, il n'y a que des dieux qui n'habitent pas au milieu des hommes, qui peuvent te dire ce que toi tu as rêvé. C'est impossible. Il faut que tu aies un Nzambe avant d'aller à la Katia Batoute. Quand il est parti,
Quelques jours après, il revient chez le roi. Il dit au roi, regarde le rêve que tu as fait, Daniel chapitre 2. Regarde le rêve que tu as fait, c'est Daniel chapitre 2. Regarde le rêve que tu as fait pour te dire que Jésus-Christ revient bientôt. Rebecca, tu dois être préparée. C'est toi qui es Rebecca. Moi, aujourd'hui, je représente Eliezer. Je suis là seulement pour te préparer à la rencontre de ton Dieu. Te préparer à la rencontre de ton roi. Regardez mes bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Daniel lui parlera de la vision et Daniel lui expliquera la vision tout entière. Cela veut dire quoi? Le sceau a été révélé. Tu vois? Le sceau a été révélé. Le sceau a été révélé. Ça c'est un. Et de deux, la révélation, donc le sceau aussi a été brisé. Parce que notre Dieu, quand il nous parle de choses secrètes, jusqu'à ce qu'il enverra quelqu'un qui a la grâce d'ouvrir le secret et que tu comprennes le secret. Il lui dit, ô roi, règne éternellement, tu as vu dans ton songe un grand statut avec quatre étapes. Le premier étape était en or. Le deuxième étape était en. Le troisième étape était en. Le quatrième étape était du fer mélangé avec de l'argile. Il dit, mais ô roi, dans ton rêve, malgré que tu as vu ces grands statues, cette grande statue, mais dans tes rêves, tu as vu aussi quelque chose d'étrange. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous vivons les temps des nations. Hein? Nous vivons les temps des nations. Nabuchodonosor a revu les quatre grandes époques des nations. C'était les temps de Babylone, les temps des Médo-Perses, les temps des Grecs et les temps de l'Empire romain. Il a révélé les temps des nations. Toutes ces nations-là ont paniqué la terre. Ils ont conquis la terre. Ils ont fait tout sur la terre. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans le rêve de Nabuchodonosor. La Bible déclare, Daniel lui dit, et tu as vu une pierre. Une pierre. Jésus, c'est la pierre angulaire. Tu as vu une pierre qui a été lâchée par une main invisible. Mes bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu, il est éternel, il est invisible, il est visible, il est le roi, il est le Seigneur de gloire, il est le prince de la paix, il est l'amant caché, je l'appelle Père rédempteur, il est le pouvoir de mon rachat, mes bien-aimés frères et sœurs. Quand cette pierre a été lâchée, cette pierre a renversé tous ces royaumes, a détruit leur force, leur intelligence, leur système, leur complot, leur maladie, leur virus, leur contamination. Cette pierre qui a été lâchée a brisé tous ces empires. Et la Bible déclare, c'est alors que cette pierre va s'installer. Deviendra une grande montagne et c'est là. C'est le cinquième royaume qui est le royaume du Christ. Ce royaume ne passera jamais. La terre passera. Le royaume de Rome, des Babyloniens, des Syriens, des Médo-Perses, tout passera, mes bien-aimés. Tout passera, bien-aimés. Il y a le royaume de Christ qui s'installera. Et ce royaume, c'est toi et moi, les Rebecca de ce temps, qui prend le temps avec Eliezer, qui connaissent le Seigneur, qui connaissent le message, qui connaissent la pensée du roi. C'est nous qui vivrons dans ce royaume. Voilà pourquoi, quitte le péché dans toutes ses formes. Repens-toi et reviens à Jésus-Christ. 30 minutes de prédication suffisent pour aujourd'hui. Que cette parole te prépare, bien-aimé. Que cette parole me prépare, bien-aimé. Que tout ce que la parole de Dieu enseigne devienne ta nourriture de tous les temps. Devienne ta nourriture de tous les jours. Que la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui est Christ,
soit enracinée dans ton cœur. Médite-la nuit et jour, afin de réussir au jour de l'enlèvement, afin de réussir au jour de la résurrection, afin de réussir à la première résurrection. C'est le temps des aigles, c'est le temps des enfants de Dieu, c'est le temps de se préparer, c'est le temps où Christ, nous devrons le prêcher dans son entièreté et nous devons manger sa parole à la hâte, mes bien-aimés. À la hâte alors. Ne prends pas du temps, mange cette parole à la hâte. Répands-toi à la hâte et Dieu te bénira. Nous avons encore 10 minutes pendant lesquelles nous allons passer le temps dans la prière. Oh, alléluia. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Faites cette prière avec moi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté ta parole. Ta parole qui délivre. Ta parole qui sauve. Ta parole qui sauve. Ta parole qui me prépare. Ta parole qui me prépare. Comme Rebecca était préparée à son mariage. Oui, Éternel. Dans ce voyage où tes serviteurs enseignent la parole de Dieu. Je veux, ô prince de la paix, moi-même reconnaître le son de la trompette, reconnaître la voix de l'archange. Je veux, ô Éternel, que moi-même j'écoute les tonnerres. Oh, merci Seigneur, merci grand Dieu, merci grand roi. À partir d'aujourd'hui, je prends tous les enseignements au sérieux. J'ouvre mon cœur à toi, Seigneur. Conduis-moi, Jésus. Conduis-moi, Saint-Esprit, vers mon époux de tous les temps. Sanctifie mon cœur. Purifie ma vie. Aide-moi, Saint-Esprit, à marcher dans la sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, tu vas élever la voix. Bandako tombola mungongo na yo. Bandako bondela. Bandako kumisa nzambe. Hallelujah, élevez la voix. Hallelujah. Oh, hallelujah. Élevez la voix, bien-aimé. Le Seigneur de gloire est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Prince de la paix est là. Le Dieu victorieux est là. Le Dieu vivant est là. Oui, hallelujah, élevez la voix. Il est à la porte. Pendant qu'il n'est pas encore là, nous sommes en route avec la parole de Dieu. Nous sommes en route avec le prophète. Nous sommes en route avec le pasteur qui enseigne la vérité de la parole. Mais un jour, oui, je me séparerai du pasteur parce que moi-même, je dois aller à la rencontre d'Isaac. Qui est le Seigneur, qui est le mari par excellence. Celui-là qui me ramènera dans la maison, alléluia. Qui me ramènera dans la gloire. Qui me ramènera dans l'espérance. Alléluia, béni soit ton nom Seigneur. Béni soit ton nom Jésus. Élevez la voix bien-aimée. Rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Jésus-Christ. Rendez gloire à l'agneau. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, alléluia. Est-ce que tu peux chanter merci Jésus? Alléluia, merci Jésus. Là où tu es à la maison, lève maintenant tes mains. Tombo la maboko na yo. Alléluia, tobana koyemba. Alléluia, korabakaya sante klama yeshika mara koraba sante. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Élevez la voix, c'est l'heure de la prière. Merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, oh, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Oh oui, merci Yahweh, merci Jésus, merci Jésus,
Élevez maintenant la voix, commencez à prier pour la semaine prochaine. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous confions la semaine prochaine. Alléluia, c'est le début du mois de mai. Nous élevons nos voix. Élevez la voix, commencez à prier. Oui, éternel Dieu, la semaine prochaine, entre tes saintes mains, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le dimanche, le samedi, le dimanche, entre tes saintes mains, le nouveau mois qui va commencer entre tes saintes mains, la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui couvre ces mois, qui couvre la fin de ces mois, nous te rendons gloire, nous t'élevons car tu es notre Dieu, nous te louons parce que tu es notre Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix, merci pour la puissance d'en haut, les plans de l'ennemi confondus, les puissances maléfiques anéanties, les forces des sorcelleries détruites, dans le nom de Jésus-Christ. Louange à toi, honneur à toi, merci pour tout ce que tu fais, que les enfants soient bénis, que les papas soient bénis, que la maman soit bénie, merci pour ta parole Seigneur, qui remplit dans nos cœurs, qui remplit nos esprits, qui remplit nos vies, alléluia. Élevez la voix, Bandako Bonde la Ponaposo Tozokota, Bandako Bonde la Ponaposo Tozokota, Poso na Elonga, Poso ya protection, moi ya protection, par le nom de Jésus-Christ. Tombola mungongonayo molingami. Tombola mungongonayo. Élevez la voix là où tu es à la maison. Consacre-toi entre les mains du Seigneur. T'es sorti d'aller au travail, à l'école, entre les mains du grand roi. Priez bien-aimé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Prince de la paix. Alléluia. Les 2-3 minutes qui nous restent, nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour le salut du monde. Christ revient bientôt. Que les cœurs reviennent à Jésus. Que la parole de Dieu puisse aller là où elle n'était pas. Que la puissance de Dieu puisse agir dans des hôpitaux. Là où les gens sont malades, troublés, perturbés par n'importe quelle maladie, troublés, perturbés par le corona. Élevons nos voix. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Tombola mungongonayo. Alléluia. Dans le puissant nom de Jésus, je prie pour que ton esprit, Seigneur, puisse agir dans le monde, que les cœurs qui ne te connaissent pas encore puissent revenir à la parole, que le cœur, ô Dieu Tout-Puissant, qui sont loin de ta pensée, ô Père éternel, soit visité, comme Nabuchodonosor a eu la révélation, le songe, le mystère, ô Père éternel, mais ô Dieu Tout-Puissant, sur la voie de ceux-là qui ne te connaissent pas, un de tes anges, ô Prince de la paix, pour que ta parole puisse arriver au bon port. Béni soit ton nom Adonai. Béni soit ton nom le lion de la tribu de Juda. Béni soit ton nom le Prince de la paix. Béni soit ton nom la manne cachée. Béni soit ton nom le Dieu véritable. Merci Père, dans des hôpitaux, ceux qui sont malades. Dans des hôpitaux, ceux qui ne te connaissent pas encore. Que ta pensée, que ta révélation Seigneur, leur croise d'une manière ou d'une autre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité, nous lions tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu, nous le chassons et le renvoyons dans les lieux arides. Tout esprit de mort, tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de contamination, au nom de Jésus, au nom de Jésus, grâce et protection, victoire et bénédiction dans nos vies aujourd'hui et pour l'éternité. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Reviens, ô Jésus, Maranatha Adonai. Que nos cœurs soient réellement préparés. Que les cœurs de toutes personnes sur la terre soient préparés. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui fait grâce. Reçois l'adoration. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à toi, bien-aimé. Gloire à toi, bien-aimé Père. Gloire à toi, bien-aimé éternel. Gloire à toi, tendre Père. Louange à toi, Seigneur, pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Dans le puissant nom de Jésus, que cette semaine soit une semaine bénie pour toi. Une semaine de grâce, une semaine d'élévation, une semaine de la grande protection de l'éternel Dieu. Que les anges de l'éternel soient autour de toi. Que les sangs de Jésus-Christ te couvrent. Que ta maison, tes enfants soient couverts. Que ton chemin d'aller comme ton chemin de retour soit béni. Que toute maladie soit loin de toi.
Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute attaque soit nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la gloire de l'Éternel remplisse ta maison. Que tu sentes maintenant la présence de Dieu. Que tu sentes maintenant la présence de Dieu. Que tu sentes maintenant la gloire de Dieu. Que tu sentes maintenant la puissance de l'Esprit de Dieu. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, Elohim. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la puissance d'en haut. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Toi qui étais malade. Toi qui souffrais d'une situation quelconque. Toi qui étais troublé par des songes et par des rêves. Là où tu es maintenant, dans le puissant nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit puisse te visiter par une grande guérison, par un grand miracle, dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié, sois élevé notre Dieu et notre Père, pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Sentez combien il est bon. Sentez combien il est bon. Sentez combien il te touche. Sentez combien il te délivre. Là où tu sentais la douleur est en train de partir maintenant. Là où ton cœur, là où tu avais mal au bas-ventre, la puissance de la guérison te touche maintenant. Là où tu avais mal à la gorge, la puissance de Dieu te libère maintenant. Là où tu avais peur, toi qui se disais « Je suis déconnecté à la parole de Dieu », tu es reconnecté maintenant à l'alliance avec Christ, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Nous allons chanter ensemble. Nous allons chanter ensemble. Nous allons chanter ensemble pour louer l'Éternel, pour cet immense bonheur. Pour cet immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Oh oui, chantons. Alléluia, alléluia, Jésus est mon sauveur, alléluia. Oh oui, chantons, alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Que la grâce et la grande bénédiction de l'Éternel Dieu soit dans ta maison. Que le règne de Jésus-Christ t'accompagne pendant toute cette semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche prochain. Que la parole de Dieu puisse trouver place dans ton cœur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce. Nous tous nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Il est notre Dieu, il est notre roi. Voilà, nous sommes à la fin de notre réunion. 15h44, donc nous terminons à 45. Nous allons nous retrouver aujourd'hui à 20h30. La prière durera qu'une heure du temps. 20h30 à 21h30, comme on a fait hier. 20h30 à 21h30, comme nous avons fait hier. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. Joyeux anniversaire à Maman Betty. Que l'Éternel Dieu console les cœurs. Que l'Éternel Dieu remplisse nos vies de paix et de grâce. Nous avons commencé avec lui, nous terminons avec lui. Et nous rendons gloire en son nom. Soyez richement bénis. Nous remercions le Seigneur pour les serviteurs et les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont ensemble avec nous ici. Nous vous bénissons, vous qui ont suivi ces cultes à partir de vos, à la maison. Donc, on se revoit à
20h30 et la prière durera 1 heure jusqu'à 21h30 pour prier pour le mois de mai. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père, merci pour le début, merci pour la fin, tout pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.